Salut tout le monde, c'est Azrod. On se retrouve aujourd'hui pour le 16e épisode. Et bah, je me rendais sur l'endroit de la mission qu'on avait eue lors de l'épisode 15. Donc j'allais dire le dernier épisode, mais non, parce que j'ai fait un petit épisode secondaire entre deux. Du coup, ce qui explique que j'ai une masse d'argent. Et du coup, nous allons pouvoir enfin acheter une des armes. Monsieur Parce que désire? j'avais envie d'acheter une petite arme quand même. Parce que, je sais pas. J'avais envie, en plus elles sont tellement classe et tellement puissantes. Tellement plus puissantes que mon épée actuelle. Là, le petit triangle bleu, c'est les stats de mon épée actuelle. Regardez un peu celle-ci. Donc, alors, déjà, est-ce que, ouais, je peux toutes les acheter. Wow. Je pense que je vais quand même acheter le coup de la français. Les stats! My god! Après, ça, c'est. Ouais, non. Elle est quand même nettement moins bien. Ok, donc on va acheter ça. Gloire à la France. Ça devrait être nettement plus facile avec ça. Ensuite. What? Ah, c'est l'espèce de petit. Ah, je ne sais jamais comment on appelle ça. De petit tomahawk. Le petit tomahawk justement qu'on a. Ah bah non. Mais what? Mais what? Ok, donc c'est une petite arme en plus que. Il y a quand même masse d'armes. On peut se le dire. C'est vraiment sympathique. Oh, les armes à feu, j'ai jamais été voir ça. Donc celle-là, c'est celle qu'on a actuellement. What? J'ai un peu tiré 3 balles d'un coup. Oh ouais. Ouais, mais non. Ouais, mais non, parce que ça va être le bordel. Et oui, tiens. Étant donné que il nous reste quand même un peu d'argent, on va acheter. Tenue de Boston, c'est celle qu'on a. Eh ben, on va acheter la plus chère. Hein. Fuck. Voilà. J'espère que vous êtes contents. Donc ça, c'est grâce à l'épisode secondaire que j'ai fait. Mercredi. Enfin, que vous avez vu mercredi. Oh là là, cette tenue. Elle est tellement classe. Oh, j'adore. Je regrette pas une seule seconde mon achat. En noir et rouge comme ça. Oh là 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 là. C'est tellement beau. Ok, j'ai cru que j'allais tomber comme une merde dans la flotte. C'est peut-être pas le chemin le plus facile là que j'ai pris. Ouais, non, clairement pas. Mais c'est pas grave. Du coup, j'espère que bah vous aimez ces petits épisodes d'Assassin's Creed. Moi, en tout cas, je m'éclate là. J'adore tourner cette série. C'est. Ce qui est sympa, c'est que ça. Pas que ça varie. Parce que du coup, il n'y a qu'un seul let's play en cours, mais. Je sais pas, c'est. J'aime bien l'atmosphère des Assassin's Creed. Et celui-là, franchement, avec. L'Amérique et tout le bordel. Ça, par contre, non, c'était inutile. Je sais pas pourquoi, mais les FPS ont décidé d'en faire qu'à leur tête aujourd'hui. C'est pas très très dérangeant encore. Mais bon. Du coup, on peut lancer la mission parce que oui, j'avais lancé plutôt pour faire un petit récapitulatif, mais j'ai pas eu le temps du coup parce qu'on a fait l'achat. Ah oui, tiens, regardons un peu. C'est passé de touche. Non, non, ferme-moi ça. Là. L'arme. Y en a qu'une? Ah ouais. Elle se met automatiquement. Ouah, sympa. Non. Bon bah, la mission lancée. Ah, Connor. Quelle joie de te voir. Permets-moi de te présenter pas touché. William Dawes et Robert Newman. Ta lettre disait que John Pitcairn était ici. Oui. Il mène une attaque contre Lexington, où Adams et Hancock se sont réfugiés. Ensuite, il marchera sur Concorde pour y détruire nos armes et nos vivres. Tu dois nous aider. Dis-moi où il est, et je mettrai un terme à son offensive. Il a des dizaines
sinon des centaines de soldats sous ses ordres. Tu ne pourras jamais le problème, ça. Seul. Mais ne crains rien, Merci. Tu ne seras pas seul. Nous disposons de toute une armée. Elle n'attend que l'ordre de se mobiliser. Tu dois la convoquer sans tarder. Avec joie. Tous les deux, nous traverserons le Charles pour rassembler nos hommes. William, fais de même, en passant par les terres. Robert, tu dois te rendre à Christchurch. Allume le signal. Deux lanternes si notre ennemi vient par la mer. Pas question de traîner, mon ami. Des vies sont en jeu. Allons. Il est très tactile, lui. Donc oui, c'est ce que je voulais résumer, c'est que justement, en tuant le gars de la dernière fois, on avait trouvé une lettre sur son cadavre qui nous disait que justement le gars, le deuxième gars que l'on cherche à tuer, qui est un templier, voulait détruire les vivres et les armes des révolutionnaires, donc pas des colons, mais des locaux. Et du coup, bah voilà, fallait qu'on les défende, et en même temps, nous, si ça nous permettait de le tuer, c'était parfait. Ils n'ont laissé qu'un seul cheval. Nous allons chevaucher ensemble. Mais pas pour la barque, surtout. Je t'indiquerai le chemin. Vite, Connor, monte en selle. Il me fait rire, le gars. Vers ceux que nous devons alerter. Suis mes instructions et nous serons vite rendus. Ouh, un point d'observation. Tourne à gauche, ici. Par là, Connor. Ok, d'accord. Donc oui, il faudrait que je refasse un petit épisode secondaire parce que je m'aperçois que... Ouais, il y a masse de... Le point d'observation que j'ai pas révélé dans cette région. Il va falloir que je le fasse aussi. Ah là 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 là. Magnifique, c'est la bonne route. Bon, en même temps, il n'y a qu'une route. Hein. Allez les FPS. Ah là 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 là. Oup, oup, oup. On va se cacher derrière les buissons. Qu'est-ce qu'ils font ici? Sûrement des éclaireurs. Je présume qu'il faut les suivre. Oui, nous sommes exactement où il faut. Sois prudent, Connor. Ils ne doivent pas avertir la troupe. Pour l'instant, on va essayer de le faire quand même un peu furtif. Nous sommes sur la bonne route. Mais oui. Ok, donc faut aller par là, toujours, je présume. Ouais. On va pas pouvoir descendre à cheval par là. Hop. Par là, ça passe. Il serait préférable ok, donc il faut juste arriver à ce petit range. Ok. Pas de problème. Putain, et cette tenue. Cette tenue. Mélange de tenue et de tunique. Je la trouve tellement classe. Et le truc, c'est que si vous avez pas vu l'épisode secondaire, c'est qu'on a ramassé que quelques coffres. Mais il y a des coffres qui donnent masse d'argent. C'est incroyable. Franchement, si je suis un peu en dèche d'argent, je sais parfaitement quoi faire. Il y a... Désolé, mais là, mon âme de collectionneur m'appelle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une plume, comme dans le 2. Ouais, pourquoi pas. Du coup, il est où le gars là? On doit aller par où? Lâche. Je suis un peu paumé là. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'essaie d'appuyer sur T parce qu'il me disait. Ouais, donc c'est par là. Je n'en ai un peu aucune idée. Le moulin, non. Par où faut aller? Qu'est-ce que tu fais, toi? Descends là. Voilà. Maintenant, donne-moi la route. Ah, mais t'es chiant! C'est cela. Nous sommes au bon endroit. Faut prendre la porte. Ah là là. C'est bien Minicar quand c'est indiqué précisément où et tu dois aller. Tout le monde, les soldats marchent sur Lexington et Concord.
Les Anglais arrivent. Je peux pas gueuler un peu plus fort par contre. Nous avons d'autres gens à prévenir. Putain. Ouais, là c'est vraiment promenade, on rassemble les troupes. Ah là, ah bah non. Je veux dire, là c'est bien parce que en voyant la carte, c'était clairement dit, faut aller là. Bah non. Non, parce que c'est trop simple. Nous sommes sur la bonne route. Ouh, ouh. Il y a des rouges. Mais j'allais dire oui, quand même, c'est sympa parce que pour l'instant, les missions sont vraiment pas répétitives. Enfin, perso, j'ai pas l'impression. C'est à chaque fois, c'est soit on prévient des gens, soit on détruit vite, soit bon, des fois c'est vraiment combat-combat. Mais... soit c'est vraiment combat-combat, mais en même temps, c'est juste parce que c'est moi qui vais comme un bourrin et qui déclenche tout. Il y a toujours un moyen différent d'y aller furtivement. Ça, c'est bien. C'est vraiment ce qui est bien dans cet Assassin's Creed. Oh putain, t'es sérieux, faut traverser. Il peut nager le. Ok, les câbles sur la souche. C'est bon, t'as fini ton bordel. Donc oui, est-ce qu'il peut traverser? Bah nice. Il serait préférable d'approcher ces maisons à pied. D'accord. Moi ça me pose pas de problème, attendez, parce que ça se trouve. Sois prudent. Tiens, la porte là. C'est ça. Nous sommes au bon endroit. Du secondaire. Faites passer le mot. Les soldats du roi arrivent. Tout de suite. Ouais, va falloir que je refasse quand même un petit épisode secondaire. Pas forcément le prochain, mais va falloir que j'en refasse un. Tout simplement parce que ouais, cette zone elle est complètement inexplorée. Autant la zone avec le manoir, celle-là par contre elle est clean parce que je l'avais fait en vidéo avant de faire ma pause. Mais ouais, bon. Bon, par contre les chevaux, c'est pas ça, hein, Tu sens qu'il y avait encore un peu de travail à faire. Je peux pas traverser la rivière, c'est trop profond. Allez, bah alors, faut que ta gueule, toi. Voilà, faut que j'attende que eux ils passent. Faut éviter de se faire détecter juste parce qu'on voulait gagner 30 secondes. Voilà, comme ça on déclenche rien. C'est magnifique, on reste furtif. Dans cette maison par hasard. C'est par où? C'est par là. Oh boy. C'est cela. Nous sommes c'est écrit. Bon, c'est carrément écrit sur la maison. Bon là par contre c'est un peu répétitif. J'espère qu'il n'y en aura pas trop parce que si je passe un épisode entier à faire ça. Là. Nous sommes là. Voilà, c'est pas... ce qu'il y a de mieux, quoi. Tâche ah. De nous débarrasser d'eux, Connor. D'accord. Atteignez pas de cote avant le temps imparti. Ok, donc on est détecté, mais on a quand même eu le petit objectif secondaire. Même pas, je fais attention à eux, je cours en ligne droite. Ah, il y avait encore une pluie. Tâche de nous débarrasser d'eux, Connor. Nous sommes sur la bonne route. Et s'en est vraiment fallu de peu. Mais essayons d'éviter être de mauvaises surprises. Être à cheval... Oh, mais tu vas te taire. Oui, je disais, le cheval, c'est pas terrible dans les forêts parce que y a trop d'obstacles, je trouve. C'est pas encore assez bien géré, je trouve. Ok. Donc c'est toujours pareil.
Par contre, dépêche-toi, parce que j'aimerais bien faire le deuxième petit truc secondaire là qui est super simple. C'est cela. Enfin, les Nous objectifs sommes au bon optionnels. endroit. Hop. Allez! Voilà. Mais où diable est-il Ils vont passé? encore nous tomber Sûr que nous dessus, sommes au non? bon endroit. Sûr et certain. Prescott? Oh, ça pue Bonsoir, messieurs. l'embuscade. Écoute, les tuniques rouges What? arrivent, tu dois rallier tes hommes. Et va vite t'habiller. Tout de suite. D'accord, je viens de comprendre. Ouais, va enfiler un pantalon. Je veux bien croire que t'es super à l'aise comme ça, mais bon. Je sais pas, fais un minimum. Mais je trouve que comme ça, on avance carrément plus vite dans l'histoire. Enfin, le fait de différencier les épisodes entièrement secondaires et les épisodes histoire-histoire, bah dans les épisodes Bienvenue à Lexington, Connor. enfin normaux comme Il ne reste ça, plus qu'à trouver Anne Cobb justement, et Adam. bah, ça permet de pas m'arrêter pour un coffre, pour un point d'observation. Aucune trace de dose. J'espère qu'il va Parce que je bien. vois quand même pas mal de trucs spawn là sur ma mini-carte et je me dis des fois ça me tente de m'arrêter, les choper. Et je parle pas de la femme qui sortait de chez lui. Hein. Là, oula, oula. Paul, Connor, content de vous J'ai voir. lancé la mission sur cheval. Vous devez partir. Les C'est pas tuniques grave. rouges arrivent. Oui, William nous l'a appris. Qu'ils mènent leur perquisition. Ils ne trouveront rien. Tu ne comprends pas. Pitcairn a l'intention de te tuer. Je crains que ce ne soit vrai. Nous n'avons d'autre choix que de partir. Mais ayez-vous droit. Doz et moi allons poursuivre vers Concorde. Connor, mieux vaut que tu restes ici pour aider John Parker à défendre la ville. Cela nous laissera le temps de faire passer le mot. Ça tombe très bien, en plus j'ai acheté une petite épée, un popinké des hannetons, franchement. J'ai hâte de l'essayer. Ah, c'est déjà la fin de la mission? Bon, on va relancer une petite, hein. Et la mission fait à 100%, c'est parfait. Bon, par contre, je voudrais bien pouvoir relancer aussitôt. Ok, c'est pas grave. J'ai des balles, j'ai tout ce qu'il faut. Et question, est-ce que je peux appeler les gardes du cœur ici? Non. Dommage. Parce que ça allait peut-être nous servir. Ah ouais, il y a quand même du monde. Ok, donc les bleus, c'est bien ce qui me semblait, ils sont avec nous. Logique. Ouais, parce que dans l'épisode secondaire, j'en ai attaqué. Du coup, ils Campez étaient plus sur vos vraiment amis avec positions. moi. Laissez-les tirer les premiers. Mais s'ils tiennent vraiment, s'ils tiennent dans la guerre, qu'elle commence ici. Pitcairn! Dispersez-vous, maudits rebelles! Posez vos armes et dispersez-vous! Ah ouais, il y a quand même du monde en Que fait! faites-vous là? Tenez vos positions! Pleutre! Traîne! Ils ne reviendront pas. Tu vas devoir tenir la ville avec ce qu'il te reste. Ne me dis pas comment je dois. Ripostez! Ripostez! Tu dois rejoindre Concorde pour prévenir les autres. Montre ça à celui qui commande la garnison. Ouais, parce que là, ça ça va devrait être un être un peu... ordre du nom de James Barrett. Allez, vas-y. Ouais, parce que là vous êtes 5 face à une armée, ça va être un peu tendu. Je vous comprends, je vais faire vite. De toute façon, 3 minutes. Hop là, monte sur le cheval. C'est con qu'ils soient tous barrés quand même.
Bon, après, il y a toujours le discours, si j'étais à leur place, qu'est-ce que je ferais? Bah, c'est compliqué, parce que, je sais pas, dans leur situation, c'est la guerre de toute façon, donc s'ils se laissent marcher dessus, voilà, ils se feront tout le temps marcher dessus. Et si justement ils rompent les rangs comme ça, bah du coup, ceux qui veulent rester et vraiment combattre, ils se font tuer, quoi. Truc con. Bah après, il y a aussi le fait de je veux pas mourir, c'est très humain aussi. Mais... ouais, c'est vraiment... les FPS n'en font qu'à leur tête. Ça aussi, là, c'est... vous voyez, mon cheval il court au ralenti. Ta galette, ta galette, ta galette, ta galette. De temps en temps, il y a des petites montées. Sauvez-le ici. Ils sont où? Ah! Ah, j'aurais pas le temps. Oh, je vais tenter. Je vais tenter le beau jeu. Allez, descends. Descends! Descends! Bon. Ok. J'ai l'impression que je les tue en moins de coups. Et que ça débloque de nouveaux combos le fait d'acheter des armes. C'est... franchement, ça me plaît. Ok. Bon, bah, nice. Putain, il est où mon cheval? Il est là. Bon, du coup, il nous reste une minute. Force, bouge le cul. Ah, d'accord, depuis le début, en fait, je sprintais pas. Il y avait un peu de mes FPS qui faisait de la merde, parce que je le vois. Je vois quand il y a des baisses de FPS, c'est grâce au logiciel, mais... j'avais oublié d'appuyer sur espace. C'est faisable, franchement. Si on arrive... là-bas, à temps, ce serait prestige quand même. Là. Bon oui, en fait, on était large. Enfin, on avait large le temps de libérer l'otage. Oh, vraiment? Pourquoi crois-tu que nous sommes réunis? Rentre chez toi, si tu veux pas te faire tuer. J'ai assez de soucis pour m'occuper d'un genou qui veut... oh, il fait beau, vous faites un barbecue. Je me porte garant de lui. John Parker aussi. Mec, je suis un héros. Où est Revers? Ils l'ont pris. Quoi? Ne crains rien. Il a lui, par contre, c'est pas forcément un jeu. Donc aussitôt, on l'écoute un peu sortira, plus. Hein. J'en suis certain. Vous avez fini vos commérages? Parker semble croire que tu es plus utile que tu en as l'air. Alors j'imagine que tu pourrais nous aider à régler une chose ou deux. Quand la bataille commencera... nous devrons tenir ces positions. Elles sont cruciales pour la défense de Concorde. Bah, c'est nous qui l'avons prévenu. Ils se sont jamais battus. Ils auront besoin d'un homme d'expérience à leur tête. Tu seras à la hauteur? Tu n'auras pas le droit à l'erreur. Tu as ma parole. Mec. Dans ce cas, j'attends que ça. Plus qu'à attendre. Là, on me dit, vas-y, fonce dans le tas. Mais moi, je suis choqué. Ouais, mais ceux là-bas, en fait, ils sont morts. Ah, je pensais que justement, on allait envoyer une carnison. Tous aux barricades! Toi! Ouais. Qu'on tient de ces positions. Si les diables rouges passent, c'est là quand même pas mal, hein. Que veux-tu que je fasse? Écoute-moi bien. Les Anglais vont former des lignes de feu. Donne l'ordre de tirer juste avant que la ligne soit prête. Pas avant, sinon les rateront leur cible. Et pas après, l'ennemi tirerait le premier. J'ai compris. Et si le moindre de ces ports parvient à passer, attaque-le. Tu dois protéger la vie de mes hommes. Préparez-vous. Donc un nouveau gameplay encore. Que redonne d'un seul ordre.
Bon, par contre, dépêchez-vous. Je vais avoir une crampe. Est-ce bleu? Oups. Non mais là-bas. Les gars, là-bas il y a un groupe. Ils vont nous descendre. Eh mais il y en a partout. Oh c'est tellement la merde. Oh. Ah non d'accord, en fait on doit juste viser ceux qui sont sur les ponts. Oh putain, je suis vraiment con. Et là, il recharge. Tire, 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 tire. Oh merde. Ok. Donc ouais, finalement, faut juste pas s'occuper de ceux qui sont sur les côtés. Oh, on doit commander la ligne de feu et point. Ah non, putain, il y a trois groupes. Ok, donc j'avais rien compris. Bon bah tirez dès que vous êtes prêts de toute façon. Ok, on va aller à l'autre qui se fait complètement descendre. Désolé les gars, je vous avais oublié. Bon bah tirez. Hop, 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 vite, 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 vite là. Ils vont se faire tuer. Vas-y, ouais, ouais. Tenez-vous prêt. Ouvrez le feu. Ok, ils ont tiré avant. Ok, donc en fait, on doit juste... switcher entre les différentes... différents postes. Ouais, mais j'avais compris ça trop tard. Ah, putain. Ah, c'est dommage. C'est dommage, j'avais pas compris entièrement ce qu'il fallait faire. Attendez mon signal. Enfin si, mais je pensais que c'était pas... Enfin, qu'il y avait qu'une zone, quoi. J'ai été vraiment bête là-dessus. Bon, du coup, maintenant, on va le passer easy. C'est ça l'avantage. Il faut tuer 130 soldats, quand même. Et ce blé. Par là, vite. En fait, faut juste regarder la mini carte. Tenez-vous prêt. Ok. Là-bas, tout au bout, je présume que va y avoir du monde. Ils sont en train d'arriver. Faut qu'ils avancent. D'accord. Allez, dépêchez-vous. Ok. Suivant. Milieu. Ok, là par contre on gère. Clairement on gère. Tenez-vous prêt. Bon, on en a perdu quelques-uns, mais franchement. Ah, mince, il revient par là. Je pense qu'on gère. Allez, avancez, n'ayez pas peur. Tenez-vous prêt. Okay. Là-bas au bout, ensuite ça va être au milieu. Ouais, mais il y en a pas mal, hein. Quand tu vois, oula, quand tu vois ce qu'il y a au fond, t'es putain, on est dans la merde. Vite, au milieu. Feu. Hop, on enchaîne direct. Sur le sur l'extérieur droit. Attendez le signal. Oh c'est tiré. Allez. Putain, il y en a encore. Tenez-vous prêt. Tirez. Putain, là ça stack. Aïe, ça arrive de l'autre côté. Tenez-vous prêt. Bordel. Ouvrez le feu.
Bon, on a déjà fait plus de la moitié, franchement, ça a passé ce coup-ci, hein, sans problème. Puisque tout à l'heure, on s'était laissé déborder. Attendez le signal. Le milieu, ça va encore, il y a personne. On retombe vite fait là. Putain, mais c'est dingue. En fait, nous, on doit pas s'arrêter, on doit... Oup là. Oh bordel, par où je passe. Oh là là. Bon bah, je fais le grand tour. Attendez-moi. Faut tirer dessus. Pas grave, attendez. Attendez le signal. Faites feu. Oh là là. Milieu là. Attendez le signal. Allez. Ok. Encore une ou deux vagues et là, ça devrait être bon. Attendez mon signal. On a perdu plus de la moitié de nos hommes quand même. Rappuyez-vous. Là, ça. Ah bah voilà, tiens. Nickel. On a réussi. Ils battent en retraite. Bah nice. Ok. Et il a survécu l'autre du coup? Il est où mon cheval? Putain, il est où? Bon, on va y aller à pied de toute façon, à mon avis. On peut les fouiller? Oui, on peut les fouiller. Ouf, c'est vrai, ça rapporte rien. Des balles à la rigueur, ça peut servir. Ah oui, et autre chose, attendez. Non, c'est pas comme ça, ça c'est le Play Store. Hop là. Non, voilà. Étant donné que j'avais quelques points, voilà, j'en ai profité pour améliorer ça. Pour nous donner plus de munitions, en gros. Donc, étant donné que je trouvais ça utile, je l'ai pris. Parce que ça peut nous servir. Très clairement. Au moins, ils sont partis. J'aurais dû frapper quand je le pouvais. Sais-tu où Pitcairn n'a pu se rendre? Il est sans doute retourné dans le giron des Anglais. Pour regrouper ses troupes et préparer son prochain massacre. Je dois le retrouver. Plus je tarderai, plus il fera de victimes. Sois fier, mon ami. Beaucoup d'hommes ont survécu à ce combat grâce à toi. Que dire de cela? Nous faisons de notre mieux avec nos moyens. Ça et voilà, et là tu me respectes. Tu dis vrai. Mais après là, c'était vraiment de la défense, c'est pas comme si c'était nous qui les avons envoyés se faire tuer. Comme le connard qui a envoyé toutes les vagues là. Tout ça pour récupérer des terres. Ça par contre oui, c'est vraiment un monstre celui qui a fait ça. Mais ouais, nous, on s'est juste on s'est juste défendu pour le coup. Et on fait vraiment les missions à 100%, mais... On est chaud, j'en dis, on est chaud. Oh là, 40 minutes déjà que je tourne. Bon, vous êtes sans doute à moi. Pour témoignage de son approbation. Mais s'il arrive quelque événement malheureux qui soit défavorable à ma réputation, je prie tous les membres de cette assemblée de se souvenir qu'aujourd'hui, je déclare, avec la plus entière sincérité, que je ne me crois pas égal au commandement dont on m'honore. En vérité, je ne vois pas meilleur homme que lui. Vraiment, de croire qu'aucune considération noms, en fait. Pécuniaire ne m'aurait fait accepter cet emploi difficile. Au prix je vous de connais. Bien-être je et doute de mon que vous de vous en souveniez. Je veux donc te présenter à quelqu'un. Je tiendrai un compte exact de mes dépenses. Désolé de t'éloigner je ne doute pas ainsi, que le Congrès ne mais les la dernière chose dont nous ayons besoin, c'est que tu te battes avec lui. On l'a vu quand on était gamin. Connor, j'ai le grand honneur de te présenter notre valeureux commandant en chef, George Washington. Ah, c'est donc vous qui avez sauvé Sam et John à Lexington. Ce fut l'œuvre des patriotes. Je n'ai fait que les aider. Ah. Aussi modeste que brave. Nous avons besoin d'hommes comme vous. Pardonnez-moi, je dois vous laisser. Il faut que j'aille consoler Charles. Il me semble guère ravi que ce commandement lui ait échappé. Ce fut un réel plaisir, Connor. Dis-moi que tu sais où est Pitcairn.
J'ai appris qu'il s'est réfugié à Boston. On va le tuer à un moment, c'est obligé. Pas le seul moyen pour toi de l'atteindre, pas, c'est de le faire sortir de cette année. Oh, le grand général, mais Charlie là, derrière. Lui c'est sûr on va le tuer. C'est un Templier de toute façon. La ville. Israël Putnam assure le commandement de nos troupes. Remets-lui ceci et il te fournira toute l'aide dont tu auras besoin. Tu le trouveras au campement de Bunker Hill aux abords de la ville. Je te remercie. Inutile. C'est le moins que je puisse faire. Pitcairn est un véritable fléau. Plus vite il disparaîtra, mieux ce sera. J'en pense autant au sujet de Charles Lee. Tu parles là d'un tout autre animal. On s'occupera de lui un autre jour. Bon courage à Boston, Connor. Ok. C'est à qui qu'on peut parler là? Tu es toujours là? Toi, tu me dis quelque chose. Juste ce qui allait se passer. Il y a beaucoup à faire. Le général Washington. Ah bah oui. Où et quand notre armée va frapper? Et nous devons nous soucier de notre message. Un message? Nous devons nous en. Ok, je suis. Dis-toi. Voilà, c'est juste le gars là qui nous parlait 30 secondes avant, mais bref. Ah là là. C'est pas grave. Elle est tellement classe, cette tenue. Je regrette pas. Je regrette absolument pas. Nouvelle région? Ah non. Oh, putain, il y a tellement de trucs à faire ici. C'est vers Boston. Sans doute. Mission domaine. Oh, ça m'intéresse ça. Là, il y a plein de petits trucs à faire ici. Ouais, va falloir que j'aille le faire un jour. Bon, bref. Par contre, c'est pas aujourd'hui qu'on le fera. Du coup, vous savez très bien que c'est la fin de cet épisode. Donc, je vous retrouve dans quelques jours pour la suite, normalement. Hein, je sais pas encore quel jour. J'ai pas forcément le jour de sortie prédéfini en fait. C'est je tourne un peu quand j'ai envie et je pose bah dès que c'est prêt hein, tout simplement. Mais bon, gardez en tête que l'envie de tourner là, donc normalement le prochain épisode devrait pas tarder à arriver. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, bye tout le monde.